Salut les amis, c'est du hasard, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo découverte sur PlayStation VR, sur PlayStation 4 Pro. Et on va découvrir ensemble Call of Duty Infinite Warfare Jackal Assault VR Experience. Je vais bien le recentrer. Là, on va faire commencer. Tech. Ça a vraiment bien fait. Les petites gambettes. Je suis prêt, mec. J'espère que mes plombages vont pas sauter. On est là. Capteur arrière du Retribution. On va se diriger vers les propulseurs principaux. Suivez-moi. En tout cas, l'immersion, elle, ça, franchement, je vous le répète à chaque fois, mais en vidéo, vous pouvez pas vous imaginer ce que ça donne. Là, waouh, c'est un truc de dingue. Encore une fois, on s'y croit, on y est là, dans l'espace. Les capteurs sont droit devant. Enfin, je sais pas si je suis dans l'espace là. Je pensais que c'était un jeu d'avion en fait, mais non. Enfin. Ralentissez pour réaliser un scan. Ok. Arrêtez-vous là, le temps de procéder au diagnostic. Ah ouais, je dois être dans la bulle. Leader, ici Scar 1-2. Dégâts modérés confirmés au niveau des capteurs arrière. L'antenne principale a l'air sautée. Reçu, 1-2. On envoie une équipe de maintenance. Vous pouvez vous occuper des débris restants avant qu'ils causent d'autres avaries? Ouais. C'est compris, leader. Un missile devrait suffire pour les plus gros morceaux. Maintenez la gâchette pour activer le réticule de visée. Vous pouvez marquer les cibles en bougeant la tête. Relâchez la gâchette pour tirer. Vous pouvez désigner jusqu'à 3 cibles simultanément. Scar 1-2, ici leader. Fluctuation énergétique détectée droit devant. Ça pourrait être dû aux dégâts subis par les capteurs. Vous pouvez aller voir. J'indique les coordonnées sur votre ATH. Oh, franchement, c'est un truc de dingue. Par contre, heureusement que je joue assis, parce que je pense que si je jouerais debout... On dirait bien que les capteurs déconnent. Attendez... Oh putain, c'est quoi ça? Leader, on nous attaque! J'ai un porte-astronef géant d'une tête en visuel. Scatter en approche. Envoyez tous les chasseurs en alerte. On est en pleine guerre, les gars. Oh, avec le son et tout. Là. C'est excellent. Waouh. Excellent, la maniabilité elle est vraiment géniale. Waouh! Moi qui adore les shoots comme ça en 3D, en VR, là c'est. Waouh, c'est le kiff total. Restez sur lui, restez sur lui! Merde, il va accrocher! Alors, va te la cul!
leur botte le cul. Yes, j'ai battu mon score de dû. Mais c'est court, c'est dommage, mais c'est tellement intense. J'ai hâte de recevoir mon Star Wars Squadron là. Celui-là, wow, le jeu est complet, tu sais le faire en VR, c'est un truc de dingue. Wow. C'est dommage que ici ça soit si court parce que c'est. Wow. Encore une fois, hein, là en vidéo, vous savez, vous pouvez pas vous rendre compte de. De la puissance du truc, de l'expérience, quoi. Mais ici, j'ai l'impression, enfin, maintenant, dans le menu, mais que j'étais vraiment dans l'espace, quoi. C'est vraiment bien fait, quoi. Waouh. Et bon, même si je rappuie, je suppose qu'il n'y a rien d'autre. Maintenant, ça va être encore le même. Voilà, voilà. Il ne devrait rien avoir plus, hein, franchement, des jeux comme ça, c'est. C'est un truc de dingue, il n'y a pas d'autre mot. Alors je voulais vous dire également ici, je me suis décidé à commander un fond vert. Comme ça pour les prochaines vidéos, enfin dès que je l'aurai reçu du moins, je pourrais mettre le fond vert ici derrière. Et alors au lieu d'avoir la petite vignette dans la vidéo où on me voit avec tous les jeux derrière, ben, il n'y aura que moi. Et je pense que ça donnera mieux. Donc voilà, voilà. J'espère que cette petite vidéo donc sur Call of Duty Infinite Warfare Jack à l'assaut VR Experience vous a plu les amis, et moi j'ai adoré, franchement c'est un truc de ouf, j'adore, et graphiquement il est top, même dans le casque, parce qu'en général il y a certains jeux qui donnent moins bien graphiquement dans le casque que sur l'écran TV, mais ici c'était nickel quoi, c'est vraiment très très beau. Et voilà, on s'y croirait, c'est un truc de dingue. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. N'hésitez pas également à lâcher le petit pouce bleu qui fait super plaisir et qui aide à référencer la vidéo. Laissez-moi un petit message et je vous répondrai. Dites-moi si vous avez d'autres titres VR que vous aimeriez voir. N'hésitez pas à me le proposer dans les commentaires. Si je possède le jeu, je vous ferai ça, je vous présenterai ça. Si je ne le possède pas, ben, je vais essayer de les acheter, parce que de toute façon, je vais essayer de faire le full set de jeux PSVR. Donc voilà, voilà. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien, prenez soin de vous, surtout jouez bien. Ciao, ciao.